Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Au fait, aujourd'hui, vous êtes venue voir Monsieur Samuel Moine. Vous êtes venue lui apporter son soutien. Qu'est-ce que vous pensez de son combat ? Je trouve qu'il est très courageux. Mais je pense effectivement que dans l'état où se trouve l'emploi à La Réunion aujourd'hui, ce n'était pas le moment que cette mesure de RSTA s'arrête. Donc nous allons aller voir le préfet là, avec de nombreux élus pour poser une motion et essayer de faire en sorte que son combat cesse déjà pour que j'ai hâte de le revoir surtout. D'accord, en tout cas on vous remercie de soutenir Monsieur Moine. Je vais interroger Monsieur Véléien. Monsieur Véléien, bonjour. Que pensez-vous du combat de Monsieur Moine ? Écoutez, c'est un combat juste. C'est un combat en direction des plus pauvres. Donc on ne peut pas faire mieux. Donc nous sommes là bien sûr pour soutenir Monsieur Moine. Mais il faut savoir aussi, depuis le 21 juin, la région Réunion a fait passer donc une motion à l'unanimité en commission permanente pour demander donc au gouvernement de ne pas supprimer le RSTA puisque 40 000 réunionnais vont quand même perdre 200 quelques euros et c'est pas bien. En cette période difficile, en cette période de crise, c'est pas bien. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout. La Réunion TV.